Jésus est venu prendre l'argent de l'enfant. Bonjour. Le jour n'est pas beau. Quand tu viens, tu ouvres la porte, tu entres n'importe comment. Le chemin n'est pas la cour de récréation. Hein. Le chemin n'est pas la cour de récréation que tu vas en tu entres comme tu veux. Tu veux quoi? Donne-moi l'argent, je pars. Quel argent? L'argent des fêtes. L'argent des fêtes de quoi? Les fêtes de quoi? Hein? Les fêtes de Noël. L'argent de ton enfant, c'est ça que je suis devenu. Ah, ça s'est passé comment à l'arbre de Noël? Ça s'est passé comment à l'arbre de Noël? C'est lui qui a payé sa pension. Mais tu connais comment on paye la pension d'un enfant? Je connais, on prend l'argent, on nous donne le reçu à l'école, mais comment on paye? Je t'explique comment on paye. On prend l'argent, on donne à la mère pas payée, ou bien on prend les billets là, on part à l'école, on paye. C'est comme ça que ça se passe. Mais toi, tu ne connais pas ça. Écoute, ne fais pas comme si je... quand on était enfant ensemble, tu t'envoies sur l'argent de l'enfant. Hein. Mon ami, donne-moi l'argent, je pars. Entre toi et moi, il n'y a aucun dialogue. On ne peut pas dialoguer. Donne-moi l'argent, je pars. Il a passé. Ça ne te regarde pas. Tu sais, moi je connais ton mari. Hein. Je connais ton mari. C'est un monsieur responsable. Il est pas au supermarché. Le rapport avec mon mari, c'est quoi? Ils sont en train de demander l'argent. Où est le rapport avec mon mari? Le rapport, c'est que tu as fait manquer le respect à ton mari. Parce que c'est un homme qui est bien, il a un bon travail. Il a un bon salaire. Je connais sa voiture. Le cabriolet de sa voiture, c'est pas n'importe quoi. Il passait le parfum de l'homme là. Tu dis que, avec tout ce que l'homme là, il paye l'école de l'enfant depuis 7 ans. Il nourrit l'enfant depuis. Il fait tout. Donc, c'est le petit cadeau de Noël qui part devant l'enfant. Pourquoi vous êtes méprisant comme ça? Fiche le temps. C'est toi qui donne le cadeau là. C'est son enfant. C'est parce qu'il est gentil. C'est mon collègue. Mais toi aussi, assume. Assume tes responsabilités, mon ami. Donne-moi l'argent, je pars. Le tout sinon. Même si ton pied, mon pied. Ok. Il n'y a pas de problème. Je vais donc appeler le père de l'enfant. Non, j'appelle ton mari parce que. Ne m'énerve pas. Tu es super comme s'il est un homme irresponsable. Tu n'as pas honte. Un monsieur qui a un cadre. Toi-même, tu es responsable. Mais moi, c'est mon collègue. Il peut m'aider quand je suis défaillant. C'est ton quoi? Mon collègue. Ce n'est plus un vaurien. Ce n'est plus un idiot. Ce n'est plus qu'oh, il ne te mérite pas. Maintenant, il me mérite. Ça, c'est quand il était encore dans la... Maintenant, il me mérite. Je n'étais pas conscient de un certain nombre de choses. Là, tu vois, là, il peut s'occuper de l'enfant normalement. Moi, ça ne me dérange pas. Si l'enfant veut... Et quand il te parle, arrête de boire. Quand l'enfant n'a pas réussi, c'est ça, mon enfant, moi, c'est... Ce n'est pas notre enfant, nous, lui et moi et toi. Tu sais quoi, je n'ai pas de temps. Tu me donnes ou tu ne me donnes pas. Est-ce que moi, j'ai un problème? Connectez-vous. Arrête tes choses là. Les mères des enfants qui sont déjà mariés là, voici la mère de mon enfant.